le jour où les lions mangeront de la salade verte. Donc ça parle ni de lions, et pas un truc animalier du tout. Ça parle pas non plus des végétariens. L'idée, c'est que les lions sont des animaux pleins de puissance, de majesté, enfin qui quand même globalement sont du côté de la férocité, hein, on va dire. Alors si on fait le parallèle avec l'être humain, bah, c'est un peu pareil. C'est, je pense, dans le monde dans lequel on vit, tous les jours, au jour le jour, que ce soit au boulot, dans sa voiture, dans les embouteillages, bim, vous êtes klaxonné, il y a beaucoup d'agressivité. C'est le jeu des égos aussi, duel d'égo. Ce sont les petits attentats, ce que j'appelle, moi, dans mon livre, les petits attentats à la sensibilité. Hein, manque d'écoute, manque de tact, voilà, toutes ces choses-là. C'est tous ces petits micro-traumatismes qui nous pourrissent un peu. C'est-à-dire qu'au quotidien, voilà, c'est voilà, le chef qui est sur votre dos toute la journée. Donc, ce sont tous ces mauvais travers que moi j'appelle les travers burnés. Oui, de burn, on va dire, voilà, oui. Ouais, mais c'est expliqué au début du bouquin, tout est dit dans l'image le livre. L'image est claire, on comprend bien. Ben oui, donc c'est sûr qu'au départ, c'est les burnés, hein, les burnés, parce que... et c'est vrai qu'il y a plus, l'équilibre, on vous donne souvent le signe du yin et du yang, c'est l'équilibre des forces, hein. Donc l'idée du bouquin, c'est quand même de rééquilibrer, hein. Nos forces, c'est comme faire un relooking de posture et de mentalité, et donc d'arrêter de tomber vers ces mauvais travers qui, avouons-le, nous pourrissent un peu la vie. Enfin, soit vous les subissez, soit vous les faites subir aux autres. Enfin, c'est vrai, finalement, c'est pas très agréable, quoi. Je pense qu'on peut arriver à faire mieux. Et donc, moi, ce qui me branche bien comme idée, c'est de dire... On peut déployer sa puissance intérieure, parce que l'idée, c'est pas de, excusez-moi, mais de s'émasculer. Enfin, vous comprenez, en avoir, oui. Parce que moi, j'aime bien, il faut du tempérament, de l'audace. Et là, c'est censuré. Mais autrement, vous voyez, sans avoir besoin d'écraser l'autre. Enfin, on peut être dans la bienveillance et, je sais pas, moi, dans les coups, dans la solidarité. Moi, je suis pas une intellectuelle au niveau de l'écriture, dans le sens où, d'abord au niveau rythmique, quoi. Il faut que ce soit enlevé, la cadence, donc c'est pas des chapitres trop longs. Et puis j'ai mis les saupoudrés, voilà, d'ingrédients que j'aime bien en tant que femme, donc une romance, un peu, à vrai dire. Voilà, parce que ça doit rester aussi un bon moment de divertissement et se faire plaisir aux lecteurs et lectrices.